You listen to the record, it's a lot more personal than everything I'd done before. It's more emotionally charged. Yeah, I mean, we just hope that, you know, we're happy that the music has reached where it's reached and it's having the impact that it's having. That's the most important thing. I love for new artists, so we're going to keep it pushing. And we go to Obon Jaya, who is brilliant. Obon Jaya is someone I've played on my show. I haven't spoken to him. He has an album out called Some Nights I Dream of Doors. He's from Nigeria. He is indeed. And I was just talking about that. I saw Burna Boy played the London Stadium. He did. And how brilliant is that? Oh, make it show. It's brilliant from African music, for Nigeria and for him. He's just adorable. This guy is really special, I think. This is a very special artist. And you really, it's an album that you have to listen to all the way through because it's full of different sorts of music. Some Night, Dream of Doors de Obon Jaya est un peu mon coup de cœur de l'année 2022. Je crois que ça a fait un an qu'il est sorti. Ça fait un an que je l'ai découvert. Peut-être bien il est sorti il y a un an, si je me souviens plus. Et ma foi, ça a été un album qui m'a. De la fin de l'année 2022, j'ai suivi, je crois. Chaque semaine, je suivais cet album. C'était incroyable. Obon Jaya, aussi un artiste qui vient du Nigeria. Même si à l'âge de 17 ans, il a déménagé à Londres, il y avait quelques projets qu'il avait sortis, de singles qu'il avait sortis, mais Some Night, A Dream of Door est son premier album. Et ma foi, c'est une belle réussite. En fait, Obon Jaya, pour moi, si je peux un peu résumer sa musique, c'est comme si tu voyais Burna Boy qui essayait de faire de la musique sur des sonorités qui te rappellent un peu plus des gars comme Damon Albarn, Cocteau Twins de Elizabeth Fraser, Robin Guthrie et qui est encore la Radiohead, si tu vois un peu. J'ai l'impression que même si il essaie toujours quand même de mettre des éléments un peu de l'afro-beat, ce que j'appelle plutôt l'afro-pop, parce que Burna Boy fait. Il arrive avec les producteurs avec qui il travaille. Je crois qu'il y a un producteur anglais là, que j'aime beaucoup qui s'appelle Wes, qui a travaillé aussi dans cet album-là. Ils arrivent à mettre justement dans cet afro-pop quelque chose de beaucoup plus alternatif, beaucoup plus... beaucoup plus moins redondant et vraiment quelque chose que je trouve beaucoup plus créatif. De cet aspect-là, ça le rend excessivement original et se démarque beaucoup un peu de ses contemporains, notamment justement, non pas que je veux qu'il y ait des respects ou quelque chose comme ça, pour la musique de Burna Boy que je trouve à mes yeux un peu trop redondant. Je trouve un peu ça très redondant. Obon Jaya, lui, prend vraiment un aspect un peu plus différent. Beaucoup plus... C'est pas beaucoup plus... Je dirais beaucoup plus créatif, quoi. Si je dois... Je risque de me répéter, quoi. Parce que... cette manière... Même quand j'ai essayé de le faire un peu suivre à tout le monde, j'ai dit, mais regardez ce mec-là qui fait un peu... Sa façon de faire un peu l'afro-beat et tout. Soi-disant. Afro-pop, hein. J'ai dit merde, beaucoup de gens étaient surpris, ils me disaient mais on ne connaissait pas ce gars, mais comment c'est créatif comme ça, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Le Some Night, A Dream of Door, un peu l'un de mes coups de cœur depuis un an, et c'était juste une courte vidéo pour vous présenter un peu cet artiste un peu qui a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de parcours à faire en fait pour être plus connu par les grands médias. Et c'est tout, quoi. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et merci encore à toutes les personnes qui suivent la chaîne du Sorcereur. À plus.